Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est bien entendu votre capitaine qui va vous la présenter les potes. Aujourd'hui vidéo très importante, je pense qu'elle va grandement vous aider. Je vais vous faire découvrir un site pour vous aider à farm Pokémon Arceus les potes. Vous allez voir beaucoup d'infos très très utiles et je pense que vous allez kiffer. Allez, on balance l'intro et c'est parti! Et salut les pirates, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas faire une vidéo directement sur le jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un site internet qui va grandement vous aider à chasser sur Pokémon Arceus. Donc, on est parti. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous présente aujourd'hui? Vous allez voir, c'est vraiment complet de ouf. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Alors, on commence. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer... à quoi ressemble un peu le site et je vais vous montrer comment on pourrait s'en servir. Alors du coup, en haut de la page sur laquelle vous allez arriver, vous allez pouvoir choisir le lieu, enfin la carte que vous avez envie. Donc là on voit les plaines obsidiennes, le marais et ainsi de suite. Nous avons toutes les zones, donc on va faire l'exemple avec les plaines obsidiennes, mais vous pouvez changer comme vous le souhaitez. Alors sur cette carte, vous allez pouvoir voir énormément de choses. Vous allez pouvoir voir en cliquant sur la Pokéball les spawns de tous les Pokémon de la map. Donc là, en l'occurrence, pour exemple, on a pris les plaines obsidiennes. Donc vous allez pouvoir voir tous les Pokémon qui spawnent sur la map, les gars. Donc là, vous voyez, vous dites 7 Pokéball, qu'est-ce qui spawn? Vous cliquez dessus. Et vous cliquez dessus, vous descendez. Et là, vous allez voir que sur à cet endroit, à 7 Pokéball, il va donc spawn des Magikarp et des Léviator. Et donc vous allez voir également à quel moment de la journée et sous quelle météo les Pokémon spawnent. Donc vous allez voir que là, vous avez tous les moments de la journée. Et vous allez voir les météos. Donc all day, en gros, c'est toute la journée, que ce soit du matin au soir ou pendant la nuit. Et vous allez voir à côté le temps, la météo. Voilà. Donc vous allez pouvoir avoir tous les détails de chaque spawn, de chaque Pokémon. Ici, vous allez également voir le taux, le pourcentage de chance que le Pokémon spawn. Et également, du coup, là, sur ce point-là, on va avoir 75% de chance qu'il y ait des Magikarp, 22% qu'il y ait un Léviator. Et on a également la chance des barons, du coup, 1,5% d'avoir un Magikarp baron et 0,75% d'avoir un Léviator baron. Vous voyez également les niveaux moyens de chaque Pokémon qui spawn. À chaque fois, vous avez votre niveau moyen. Voilà, donc déjà pour ça, ça va être assez, assez pratique. Mais vous allez me dire, mais pirate, On veut pas cliquer sur toutes les Pokéballs pour trouver notre Pokémon. Mais bien sûr les amis, il y a l'outil de recherche par Pokémon juste ici. Vous cliquez à droite. Et alors là par exemple on va se dire, tiens je veux un Evoli. Comme on a déjà posé la question en stream. Et vous voyez que pour les Evoli, vous les avez ici, chaque Pokéball. On clique sur notre Pokéball. Comme on a dit tout à l'heure, on descend. Et là on va voir à quel moment de la journée les Evoli spawnent. On va voir également le pourcentage de chance. Donc on va voir qu'il y a beaucoup de pourcentage de chance qu'un bidouf spawn. Mais 16% de chance que les volis soient là. Et on en a toujours le pourcentage de chance des barons. Voilà, donc ça va vous aider grandement à chercher les Pokémon par continent, ce que vous désirez trouver. Donc ensuite, le site a beaucoup d'autres fonctionnalités, vous allez voir. Vous avez bien sûr les alphas sur la carte. Vous allez donc pouvoir voir chaque alpha, où il se situe. Quand est-ce qu'ils spawnent, leur niveau, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple, les gars. Vous l'avez vu également avec moi en stream, du Leufory qui nous aide grandement à XP dans cette aventure. Il donne vraiment beaucoup d'XP. Et vous allez voir que du coup, il est niveau 62 et il est 100% là. C'est-à-dire qu'il est là tout le temps. Chaque fois que vous relancez cette map, il sera toujours là. Voilà, donc vous allez pouvoir voir les alphas à chaque endroit. Vous allez également pouvoir voir tous les arbres. Pour les baies, vous allez également pouvoir voir tous les minéraux de la map. Ce site est vraiment complet de dingue. C'est ça qui est incroyable. Vous allez aussi pouvoir voir, bien sûr, tout ce qui est failles. Donc les failles ici. Voilà, vous allez voir que les failles, elles spawnent tout le temps aux mêmes endroits. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui spawn dans les failles. Et donc là, si on regarde,
on a les spawns de chaque faille, on a les Pokémon qui peuvent apparaître dans les failles, leur niveau, leur taux d'apparition. Donc là, par exemple, on peut avoir un Baron Philali à 0,18% de chance qu'il soit là. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant pour voir les failles. On a également les Arbis de la map. Hop, comme vous pouvez le voir, on les voit partout. Sinon, vous les avez également sur mes vidéos qui s'affichent sur votre écran actuellement. On peut voir bien sûr les flammes pour le Spiritombre. Ça m'aurait été grandement utile pour ne pas avoir à faire tout le tour de la carte. Donc là, au moins, vous pouvez vous organiser votre petit chemin. Vous les passez toutes en revue très rapidement. Vous allez pouvoir voir les poèmes qu'on peut trouver à Ikursa King. Les poèmes sur votre carte. Mais également les trésors. Les lieux où vous pouvez trouver des trésors avec Ikursa King. Ça, c'est ouf. Le site a vraiment travaillé énormément. Et donc là, bien sûr, pour les trésors, si vous cliquez, vous voyez, vous allez voir tous les items qui sont disponibles. Donc bien sûr, c'est des items qui n'arriveront pas à chaque fois. C'est une certaine chance de les avoir. Mais au moins, vous pouvez voir quels items vous allez réussir à trouver. On a donc toujours toutes les gemmes, voilà, les couleurs, on a tout, chaque emplacement, on a les baies, on a vraiment la totale, les amis, sur ce site, c'est juste incroyable. Ça m'aurait été vraiment très utile dans mon aventure. Et bien sûr, vous pouvez changer autant que vous voulez de zones, vous voyez, vous les avez toujours. Et c'est le même fonctionnement, exactement pareil, les zones, donc vous les changez en haut à droite ici. Voilà les potes, ce sera tout. J'espère que ce site vous sera utile, que vous allez vous en servir. Et bien sûr les potes, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un max de likes, de commentaires, et aussi à venir nous faire un petit coucou en live les amis. Je suis en live tous les jours sur Twitch. En ce moment on fait de la chasse aux shiny, on vous attend très nombreux. Allez les pirates, à la prochaine! Yeah!